Notre invité cette semaine, Robert Gérald Boulet, mieux connu comme rocker sous le nom de Jerry Boulet. C'est rapidement que Jerry Boulet s'oriente vers le rock, mais il touche d'abord le rock anglais. Et voilà donc que de Saint-Jean-d'Iberville, il y a 45 ans, eh ben Jerry Boulet orientait toute sa carrière presque à rebousse-poil dans un monde où le rock est marginalisé, dans un monde où l'élite artistique n'accepte pas cette musique et ce genre-là. Mais voilà qu'à travers vent et marée, Jerry Boulet, avec un groupe au début, Offenbach, perce ce secteur-là. Une reconnaissance difficile qui tarde à venir, non pas dans les milieux rockers, mais dans l'acceptation générale du monde du spectacle et de la musique québécoise. Des événements marquants, premier groupe à faire le Forum de Montréal, premier groupe également à faire une messe à l'Oratoire Saint-Joseph. Et quel éclat! Eh bien, voilà que Jerry Boulet nous a quittés maintenant, atteint d'un cancer. Nous en témoignons ce soir avec trois des gens qui étaient à toute origine d'Offenbach. D'abord, M. Pierre Harel, musicien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Roger Belval, mieux connu sous le nom de Oiseau, toujours musicien. Toujours. Et Willé, Michel Lamotte, qui est bassiste et qui était du groupe Offenbach et qui joue toujours et a été dans Corbeau. Oui. Messieurs, vous êtes prêts à témoigner de Jerry Boulet après cette pause? Oui. Oui. On revient tout de suite dans trois minutes. Essayer de cerner le personnage de Jerry Boulet, je pense qu'on ne peut pas le faire sans passer par l'univers du rock et du rocker. On l'appelle le rocker au cœur doux, mais quand même, j'aimerais savoir, pour le bénéfice de tout le monde, qu'est-ce que c'est qu'un rocker? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes des rockers. Ah oui. C'est quoi un rocker? Un rocker, c'est quelqu'un qui dit oui ou non et qui se sert de son cœur pour vivre et pas de son portefeuille. C'est un gars de principe. C'est un gars de principe. Vous êtes un rocker, monsieur. Ouais. Je suis un rocker. On pourrait dire que tu es une sorte de rocker. Ah oui? Ouais, ouais. Mais pourtant, je n'ai pas cette allure de dur. Non, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que vous êtes plus par conviction que pour le fric. OK. C'est ça, un rocker. Ouais, pas niaisage à part de ça. On n'y est pas. Mais ouais, c'est oui ou c'est non. Comme oui, lui disait tout à l'heure, dans ce sens-là, Bourassa, c'est pas un rocker. OK. Robert Brossard, pas un rocker, parce qu'il est hésitant. Ben, mais il dit jamais ni oui ni non, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Alors, quand vous dites Paris oui... Paris-Jean n'est pas un non plus. Alors, quand vous dites oui, vous, M. Harel... Oui, c'est oui. C'est oui. Quand vous dites oui, c'est oui. Quand vous dites non, c'est non. Il n'y a rien à faire. Non, non. Est-ce que c'est là que vous faites votre rencontre et presque ce témoignage de consanguinité avec Jerry Boulet, la première fois que vous le voyez? Comment vous rencontrez Jerry Boulet? Qui est Jerry Boulet quand vous le rencontrez? On l'a tous connu différemment. Le premier qui l'a connu, c'est Willy. Bon, moi, j'ai rencontré, il jouait dans les gants blancs, et moi, je les gants dans... blancs? Oui. Ça, c'est ta quétaine, ça, là, là. Oui, oui. La musique des gants. Oui, des gants. C'est ça, c'était pas rockeuse. Non, non. Vous embarquez dans les gants blancs, j'ai dit, moi, je joue pas avec des gants. C'est... Là, le rocker, déjà, se manifeste. On a changé pour Offenbach, et puis on a... On avait une émission de télévision, là, quand ça a commencé à chambarder des choses, d'arrêter de que tous les autres nous disent quoi faire, et nous dire aux autres, écoutez, c'est notre image qui va passer là, donc c'est très important et que ce soit la note qu'ils veulent, et nous, la voix. Okay. Reprenons. Donc, on peut-tu dire qu'Offenbach, c'est Jerry Boulet, vous, et ce sont greffés d'autres gens, dont vous deux. C'est ça, c'est Offenbach. Ça. Oui, c'est ça, parce que dès le début d'Offenbach, on ne chantait même pas en français. Ça s'appelait Offenbach Soap Opera. Ça, c'était votre premier long jeu. Offenbach, oui. Soap Opera. Oui, mais avant, on faisait un an de temps, deux ans, on chantait aucune chanson en français, on chantait une chanson en anglais, on appelait ça Offenbach Soap Opera, parce qu'on avait comme une espèce de petit medley là, dans le show qui durait une heure, qui était comme un soap opera. On chantait des chansons d'amour, mais en anglais, du Ray Charles, des choses. Où se fait cette conversion de devenir au français? C'est vous, Harel, qui avez fait ça. Comment vous avez fait prendre ce tournant-là? À Boulet, qui avait commencé à chanter en anglais, lui. Ben oui, mais Jerry, il n'était pas tout seul dans ce temps-là. C'était un groupe, ça, là. Il n'était pas le plus leader que Willy, que Oiseau, que moi, qu'un autre. De toute façon, moi, je suis le deuxième avant-dernier. Oiseau, c'est le dernier rentré dans le band. Okay. Parce que Denis, le frère de Jerry, qui était drummer, est parti. Okay. Et Oiseau est entré juste avant l'oratoire en 71. OK. Vous étiez le batteur qui avait remplacé le frère de Jerry. Je suis Offenbach Soap Opera, le premier album. Oiseau, je ne joue pas là-dessus, c'est Denis. Okay. Parce que moi, quand j'embarquais, Jerry ne voulait pas que Denis parte. Ouais. Moi, quand j'embarquais, moi, il m'avait un peu de travail. Vous avez regardé son frère. Ah, protéger son frère. Oui, mais lui, il voulait s'en aller. Parce qu'il fallait qu'il se marie. Il y avait une femme extraordinaire, d'ailleurs. On le comprenait.
Puis des années aussi. C'est quoi cette affaire de presque de communauté? Vous me dites qu'un rocker, ça vit en communauté. Il a beau être en avant et chanter, ou jouer de l'orgue, puis que le batteur soit en arrière, puis que le bassiste fait juste de la base. À la limite, là, une carrière solo puis rocker, c'est impossible. Ça marche pas ensemble. C'est impossible. Non. Toute pensée de carrière, de perspective personnelle, de ramener quelque chose juste pour moi, puis tout ça. Ça, c'est bien dur de faire marcher ça avec une carrière solo. C'est pour ça que Jerry, même si on peut dire qu'il a fait une carrière solo, il a toujours gardé Offenbach pareil. Il a toujours gardé l'esprit de groupe, l'esprit de... Mais de, c'était plus vous autres. D'une band. Ben, nous autres, on était partis. Vous étiez partis. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il voulait être plus solo que rocker? Non, non. Non, c'est parce qu'il voulait prendre, commencer à prendre le contrôle. En 76, moi et Willy, quand on est parti, c'est... Oui, c'est parce que j'étais parti déjà d'avance en 75. Oui. Vous voulez rentrer d'autres gens dans le groupe, vous voulez rentrer vieux de l'année. Il ne voulait pas. Moi, je pensais que ça prenait du sang nouveau parce que c'était quand même une couple d'albums qu'on faisait. Puis on s'en venait comme vide. Là, après une certaine de chansons, ça, ça vient vide. Hein. Ben, il a rentré du sang nouveau, puis il ne voulait pas. Tu vas en avoir du sang nouveau, on s'en allait. Passer une année en France, t'as besoin d'une bonne transfusion. Excusez-moi, mais avant d'aller en France, et c'était pas négociable. Non. Oh, c'était, non. Ah, c'était l'ultimatum. Il était obligé de faire un ultimatum. Il a dit. Moi, qu'est-ce que j'ai proposé, c'est qu'est-ce qu'il a fait après. Que vous sans avez... moi. Mais vous, Michel Lamotte, vous avez peut-être eu la relation la plus émotive avec Jerry Boulet. Oui, moi, j'étais très près, moi, de lui. Pourquoi? Ben, parce que les premiers temps que j'ai rencontré, j'étais peut-être plus populaire que lui, peut-être. Et puis, c'était dur, j'ai aidé beaucoup, relation. Parce que vous aimiez beaucoup à vous embrasser, mais vous aimiez beaucoup à vous frapper. On s'est tout fait frapper, embrasser, pleurer et tout. Et pourtant, il est tout petit homme. Est-ce qu'il était arrogant? Oui, il était très arrogant. C'est un gars arrogant. Beaucoup de gosses. Comme un rocker doit être. Comme toi, tu dois être. Tu n'essayeras pas, toi. Bien décidé, là. Oh, ouais. Pas gros, mais marteau. C'est ça. Est-ce que c'était un pas gros et marteau, Jerry? Oui. Vous avez composé la musique à elle. La musique et les paroles. Et les paroles, oui. Jerry avait-il cette ligne du compositeur, de l'auteur? Non, dans ce temps-là, ça ne le préoccupait pas, ça. Parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'il faisait des shows qui chantaient en anglais, puis ça marchait. Alors, la première fois, je suis arrivé avec une composition en français. D'ailleurs, Willy était d'accord. Lui, il n'a pas voulu chanter en français. Ça a pris plusieurs mois avant qu'il se décide. Il avait peur de ça. Il avait peur que ça ait de l'air qu'éteigne. Il avait peur que ça ne marche pas. Il avait peur de perdre le petit peu qui lui restait. Dans ce temps-là, Offenbach, ça ne marcherait plus bien fort. On ne gagnait pas notre vie à ça. Bien, c'est que c'était une période transitoire entre les groupes comme les Classel, les Abirons, les Excentriques. C'est aussi la période dans les cabarets entre la musique live et les discos et ça, là. Tu sais, il rabassait les orchestres par un vous en viviez, mais vous ne gagnez pas votre vie avec ça. Mais je veux revenir à Boulet. Jerry qui dit, écoute, moi, man, chanter en français, ça se peut pas, ça poignera. Ben, il n'a pas dit ça parce que Jerry ne parlait pas tant que ça. Il ne parlait pas beaucoup de Jerry dans ce temps-là. Très gêné, Jerry. Il a dit juste, non, pas capable. Non, pas capable. Ouais. Fait que là, on a attendu. Cette conversion culturelle d'amener la culture québécoise, francophone, au rock, qui est une musique anglaise, comment il l'a marié, comment il l'a fait, quand il l'a accepté? Ben, ça a pris du temps. Ça, il a fallu d'abord, parce que pour le convaincre, il a fallu que j'en chante une. Janine, la première tourne en français. On était à Saint-Jean-d'Iberville, je pense. Et on s'est... Ça a levé dans la salle? Ben oui, trois, quatre rappels, la même tourne. C'était la première tourne en français d'une tourne. Et là, il a allumé, lui-là. Non, il n'a pas allumé vite de même. Ça a pris du temps. Ça a pris Colin de Blues. Ça a pris l'Hôtel Nelson. On était rendu à l'Hôtel Nelson, où il a essayé pour la première fois. Ça a pris le long jeu. Et le film. C'est en faisant la musique du film qu'il s'est essayé de chanter en français. Parce que dans ce temps-là, je faisais le film Bulldozer. Ouais. Et j'étais rendu à enregistrer la bande musicale. Alors, il a fallu que c'est comme un truc, dans le fond, on l'a truqué. On l'a piégé. Parce que pour le film, il était en studio, il n'y avait pas personne, il a chanté Colin de Blues. Et c'est là qu'il s'est habitué, là. Revirons l'affaire à l'envers un petit peu. Vous me dites, des rockers, Offenbach, c'est comme une communauté, tout le monde est égal, il n'y a pas de leader, mais il demeure un fait. Quand vous montiez sur les planches du forum, quand vous montiez sur les salles on de spectacle... On n'était pas là au forum, vous autres, y étiez pas? Non, ça, c'est après, ça. Mais c'est lui qui avait de l'air
du boss. Oh, du mais, écoutez, nous, on est en fait back de 72. Il était seul dans ce temps-là. C'est comme vous, vous faites votre émission. J'avais su qu'il avait manqué le bateau. C'est pas juste vous, c'est la recherchiste. On a construit le bateau. On peut pas tous les mettre là. OK, on se comprend. On a bâti le bateau, puis on est débarqué du bateau pour s'en aller ailleurs après, parce que ça faisait plus l'affaire. C'était quoi le cap que Jerry voulait prendre que vous ne vouliez pas prendre? Non, c'était pas ça. C'était pas lui qui voulait prendre un cap. C'était la conjoncture, comme on dit en termes savants, là. C'était l'ambiance, c'était l'époque, c'était fait demain, ça marchait plus. En France, c'était un fiasco total, ça allait mal. Quand ils sont revenus ici, ça tiroyait. Ça... Offenbach, ça a toujours été... Ça a toujours été rock and roll. Ça a toujours été rocker. Ça a toujours été rocker. Quand moi, je suis parti, après ça, Willie est parti, Oiseau est parti. Là, Jerry, c'est comme retrouver tout seul avec Johnny. Puis Johnny, c'est un vrai Johnny, artiste. Johnny, juste pour le plaisir. Johnny Gravel. Johnny Gravel, OK. Lui, c'est un véritable artiste, quoi qu'il a changé un peu aujourd'hui, mais dans ce temps-là, il ne prenait pas de décision. Et ça ne le préoccupait pas, il se foutait de ça. Donc, Jerry a été obligé de prendre en main la destinée du groupe, mais au point de vue composition de ça, mais au niveau business aussi. Ah, il a fallu qu'il a engagé qu'il devienne des administrateur ben oui. De ce bateau que vous aviez exactement. Abandonné. Non, 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 non. On n'a pas abandonné parce qu'avant non, de partir... Non, on n'a pas abandonné. Ça s'est fait, tout seul. C'est un feeling en dedans. Si ça ne marche plus, ça ne marche plus. Est-ce que vous regrettez? Parce que rendez-vous doux, Jerry? Non, non rien non. De rien. Non, non je ne regrette non. Rien. Mettons, moi, personnellement, je le regrette. Tu ne regrettes pas ton deuxième blanc. Soyez encore vivant pour être avec nous autres là, le 22 juin. Quand on va montrer à tout le monde c'était quoi le vrai Offenbach dans ce temps-là, l'esprit, le feeling qu'il y avait à cette époque-là, qui va avec l'histoire d'un peuple, qui va avec un paquet d'affaires. Vous regrettez Jerry. Oui. Mais le Jerry vous avez connu, 71. C'est ça, oui. 71, 72, 73, 14, 75. Mais pas le Jerry qu'il est devenu. On s'en fout, après on ne le voyait plus. Moi, je jouais dans Corbeau, c'est un autre truc. Là. Je jouais avec Marjo, c'est une autre chose. C'était des autres affaires. Oui, mais ça se peut pas à se garocher des bouteilles dans les pattes, à se battre, à se tirer, de perdre un ami de vue, puis de dire, je m'en fous, là, vous ne plus. Ça se peut pas, la mort. Non, mais c'est pas qu'on s'en fout, c'est parce qu'on ne se voit plus, puis c'est... Loin des yeux, loin du cœur. Ben. Oui, mais il était de même un peu, lui aussi. On était tous de même. On ne s'est pas couru après, là. Il n'a pas passé, lui. Parce il n'a pas son temps à m'appeler, moi non plus. Quand c'était fini, là, on rentrait dans un bar, puis Jerry était là, là. Puis il nous traitait de tout le cul, hein. Je m'excuse du mot. Toi? Toi, il t'a jamais pris. Non. Là, ouais. Jerry, on a joué 5 ans ensemble. On peut se parler, là. On ne se parlera même pas de musique. Il ne voulait rien savoir. On s'arrête pour une pause, messieurs, et on revient tout de suite. Bon, vous autres, les vrais, Offenbach, vous avez créé du matériel qui marchait pour le public, pour un certain public. Vous avez une clientèle. Il y avait une clientèle pour ça. Quand vous alliez en tournée, ça marchait. Pourquoi qu'à Montréal, la grande concentration de population, ça marchait moins? Ah, ça, c'est le vieux problème du Québec, des Canadiens français et des Québécois. C'est le vieux problème du vrai Québécois qui est dans sa campagne, qui parle sa langue, qui vit sa langue, puis quand il arrive en ville, il se retrouve plus, il comprend plus rien. Autrement dit, notre élite, là, sont tellement colons, dans le fond, colonisés jusqu'à un certain point, qu'au lieu de voir la beauté de ce qu'il y a chez eux, ils essaient toujours de se conformer à quelque chose d'ailleurs, de ressembler ailleurs. Ça veut dire que le marché de l'industrie empêchait votre rock de rentrer. C'est pas le marché, c'est les jugements portés par ceux qui ont des jobs de fonctionnaires. Les décideurs. Interculturels ou qui sont impresarios à Montréal. Les décideurs de l'industrie. Oui, qui pensent que ça fait mieux quand tu grasseilles, parce qu'à Paris, ils ont des copains, que rouler TR ici, que tu as l'air d'un style habitant. Il y a un gars qui l'avait compris, Jerry Boulet. Il a dit, je vais modifier mon rock et je vais faire ce qu'on appelle du « middle of the road », entre guillemets, du mémoire musical. Oui, mais sois pas trop dur. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce qu'il savait qu'il avait le cancer, qu'il était malade, puis qu'il s'en allait, puis qu'il ne laissait pas grand-chose à ses familles. Okay. Parce que Jerry, il a 3 enfants, là. Question de nécessité. Ben, je pense que oui. Il dit, j'oriente une musique pour plaire à un plus grand nombre de gens. C'est ce qu'il a fait. Oui, c'est un bon gars, Jerry. C'est pas été le monstre. Ah non, non, c'est pas ça qu'on prétend. Au contraire. Tout le monde l'aime. On l'a mis sur le tard, peut-être même. Oui, c'est ça. Et si nous, on avait été plus ouverts, peut-être qu'on l'aurait encore apprécié davantage parce qu'on aurait vu
en même temps l'univers du rock. C'est pas tout le monde qui l'a aimé. Le peuple, le monde l'a aimé, mais la même maudite gang à Montréal, là, ou à Québec, ou dans les grands centres, qui ne l'aimait pas puis qui nous aimait pas dans ce temps-là, sont encore pareils. C'est ceux qui ont dit oui, et ont vendu 300 000. Bien, il a vendu 300 000, long jeu. Ça, on peut dire que c'est le premier à avoir ouvert la brèche pour que votre musique passe. Exactement. C'est Gad Corbeau, on avait vendu, illégal, on a vendu 80 000 longs jeux, on a vendu 5 000 longs jeux à Montréal. Puis là, on a gagné un Félix. Avant, il voulait pas nous faire gagner des Félix, mais là, il était bien obligé, là. Quand il y a eu les nouveaux palmarès qui n'étaient pas arrangés, là, qui étaient par les disquaires, là, il a dit, ah, ben c'est eux autres. Est-ce qu'un rocker pense à la mort? Ben oui, elle le suit constamment et fidèlement. C'est d'ailleurs sa garantie pour ne pas être aussi con que les autres. Et presque à avoir un rendez-vous avec plus rapide? Non, pas nécessairement. Non. Soit tu essaies de repousser ça le plus loin possible. Là, quand même. Est-ce qu'il savait, Jerry, et depuis combien de temps il savait qu'il ferait peut-être pas longtemps? Il vous en a parlé un peu? Non, pas moi. Moi, je l'ai rencontré, mais il m'en a jamais parlé. Jamais. Ouais. À Pierre, il disait tout le temps que ça allait bien. Puis que... Oui, il m'en a parlé. Il m'a dit qu'il était guéri, parce que quand j'ai fait un long jeu tout seul, avec Oiseau et Donald, et les producteurs voulaient que je chante « Faut que je me pousse » et je voulais pas. Parce que dans ma tête à moi, dans mon livre à moi, c'était une chanson que j'avais donnée à Jerry en 1971. C'est lui qui l'avait chanté des milliers de fois, puis je voulais pas faire ça. Alors, ils ont dit « Pas-y, au moins, j'ai dit correct, au moins, range qu'il demandait. » Puis je l'ai rencontré un soir. Puis j'ai dit, coudon, comment ça va? Il dit, je suis guéri. Ça, c'était en 1988. Mm. J'ai dit, t'es guéri, c'est au bout. Ben, je vais te dire pourquoi. Je voulais chanter, il faut que je me pousse. Mais en fait, je ne voulais pas les producteurs, mais je voulais te demander avant, ça te dérange-tu si je chante ça? C'est moi qui l'ai composé à tout. Et j'y demande, ouais, parce que tu lui as donné. Ça fait assez longtemps qu'il a fait. Il dit, non, vas-y, fais-la. Fait que là, on a continué à jaser. Il m'a dit qu'il était guéri, qu'il s'était fait faire des impositions de main, qu'il s'était fait faire... qu'il avait, en tout cas, il avait de l'air bien, aussi. Alors, moi, je pense qu'il a toujours su qu'il l'avait. Mais que pour lui-même, pour ceux qui l'entouraient, pour sa famille, ses enfants, il n'a jamais voulu l'admettre et se laisser aller à le vivre, puis pogner un dâme épouvantable qui aurait éteint l'affaire avant le temps. Il voulait aller au bout de son souffle. Exactement. Il jouait le jeu jusqu'au bout. Michel Lamotte, Jerry... est un être sensible. Oui. C'est ce que l'on sait. Bien aussi, renfermé. Fermé? Renfermé. Ah oui? Ah oui. Il se livre pas facilement. Gêné tout au bout. Il raconte pas ses affaires. Ah non, Jerry, non. Ça s'est au bout. Dans sa chambre. Même en tournée. Quasiment. J'ai resté avec un ennemi, moi, dans un toit et demi, deux coups. Je le voyais peut-être cinq minutes par jour. Quand il sortait, c'était pour aller en arrière du piano, ou jouer de l'orgue, ou aller manger. Après ça, il rentrait dans sa chambre. Il parlait pas. C'était dur à savoir, parce que lui, il parlait avec les yeux. Ouais. Il te regardait, il faut le deviner. Des fois, il est deviné. C'est pas évident. Ouais. Et justement, cette sensibilité, vous avez jamais questionné? Ça questionne pas un ami? Un rocker ou pas? Un rocker, ça questionne. Non. Oui, mais un ami, ça peut être un rocker puis pas un rocker. Ça questionne pas. Quand un gars veut pas te dire ce qu'il veut, ça est bien, mais donc... Il y a, donc, il y a pas de rocker journaliste. Oui, il y en a. C'est plutôt rare. Boulet était-il fier de son cheminement? Ah oui. 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 Un homme fier, quand même. Quand il est mort, avant de mourir, il était fier de son cheminement. Même s'il savait qu'il ne pourra pas en jouir comme... C'est un peu comme Moïse, tu veux, qui est arrivé à la porte. Il a ouvert la voie. Oui, qui n'a pas rentré. Il savait. Il savait, ça se sentait. Puis moi, c'est là que j'ai fait la paix avec lui, vraiment, à la télévision. Je l'ai vu, à un moment donné, se faire poser une question par quelqu'un qui demandait s'il regrettait quelque chose. Pas longtemps avant qu'il meure. Il a répondu non. Là, comme Oiseau disait, j'ai parlé par les yeux, j'ai regardé ses yeux aussi. Et j'ai vu que, dans le fond, il était plein de regrets. Mais qui ne voulait pas le dire, puis qui ne pouvait pas non plus. C'est comme n'importe quel homme, hein? Quand tu meurs, t'en as tout le temps. Oui, oui, on a tout un... Même la petite affaire de rien, là, que... Elle reste. Bon. Mais dans son œil, vous saviez que sa réponse verbale, c'était pas ce qu'il disait. Ouais, c'est ça. Il faut avoir vécu longtemps et proche avec un gars pour être capable. Ben,
On a vécu proche en tabarnouche, je me dis franchement. C'est moins de 12 ans. Partir en tournée, là... 12 ans, bien des années, 2-3 ans, là, je, même pas de chez nous, parce qu'on travaillait dans un club, là, une semaine, une place, une semaine, même pas d'adresse. L'adresse chez nos parents, même pas d'appartement nulle part. Ah, c'était l'hôtel, l'autre hôtel, l'autre hôtel, l'autre hôtel, l'autre hôtel. Puis il y a fait le bac au début, on vivait tous ensemble. Hein. On a eu des... Ah oui? Ah oui? Mais c'est une autre époque, excuse, on est en 90, oui, on ne peut plus penser à ça. C'était de toute beauté. C'était de toute beauté. Ben, ça devait être l'enfer un peu aussi. L'enfer et le ciel. Et le ciel en même temps, pour les mêmes raisons. Oh oui. Ou pour les mêmes affaires. Oui. Pour les mêmes raisons et pour les mêmes affaires, c'est une variation de température. Ah! Un petit coup de vent, des fois, puis on est parti. Ça fait ça. Quel est cet enracinement dans le rock? Est-ce que vous pensez que Boulet, étant donné qu'il a ouvert la voie, mais par une musique un peu plus populaire, c'est un rock moins hermétique qu'il a fait? Le rock n'est pas hermétique, l'autre avant, c'était pas hermétique, c'était le monde, c'était le milieu. Les décideurs, lui se fermait. Lui, il était, ben oui, on venait choquer sa nouvelle civilité. Quand tu es un colon du lac Saint-Jean, que tu arrives à Montréal, que tu as mangé de la cipolle, puis je sais pas quoi, puis là tu manges des 4 étoiles, tout ça, que tu n'es pas prêt à donner 15 000 piastres à un rocker. T'as mieux quelque chose qui brasse moins. Ben, qui brasse moins, sûr, qui est plus mondial. Qui est plus sûr. Qui est plus dilué, mettons. Vivre le rock. C'est pas plus sûr. Comme musique, c'est une culture, c'est un risque, c'est un danger. C'est vivre dangereusement. Non. Le danger, il vient du mépris exercé par ceux qui sont mièvres et tièdes et qui nous donnent le genre de société qu'on a de toute façon. Le rock, au fond, c'est profondément social et politique. C'est un genre, c'est une façon de voir la vie et les choses. Si on posait une question rocker par rapport à l'orientation du Québec, on dirait déjà. Voulez-vous, oui ou non, être indépendant, les Québécois? Les Québécois diraient oui ou non. Ça ne sera pas compliqué, au fond. On verra après. Ma dernière question. Regrettez-vous, Jerry? Oui. Oui. Ben oui. C'est ici, nous autres. Et à prendre bière. Ah oui, il y en aurait plus de prendre bière. Bon, il y aura nous. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté de témoigner de Jerry Boulet, un grand film. Au revoir, mesdames, messieurs. Notre prochain rendez-vous de témoins. Dans un instant, Olivia est terrifiée à l'idée d'être interrogée par le détective Garcia dans Les héritiers du rêve. Suivra à 21h, Crime en solde. Passez une bonne soirée à l'antenne du réseau TVA.